il ne fallait pas chercher Karine Le Marchand, au risque de la trouver. Le 22 janvier dernier, alors que M6 diffusait des portraits de candidats de l'émission « L'amour est dans le pré », on entendait l'animatrice questionner un participant gay sur le type d'homme qu'il recherchait. Un gars un peu viril, tu sais qu'il y a un nom pour ça, les yags, c'est gay à l'envers. Ce sont des gays qui ne se reconnaissent pas dans tout ce qui est la culture gay, Mylène Farmer, Madonna, Dalida, tout ça. Tu vois, je t'aurais appris un truc, pas de mèche, pas de décoloration massive, expliquait alors Karine Le Marchand à Thomas, l'agriculteur en question. Mais depuis la séquence, la polémique ne cesse d'enfler, beaucoup d'internautes ayant reproché à la présentatrice d'avoir énuméré ses clichés sur la communauté homosexuelle. Une critique balayée par Karine Le Marchand dans une interview accordée lundi 5 février à Pure Média. Vous pensez bien que tout ce qui se passe en prime time sur M6 a été visionné par des équipes composées d'hétéros et d'homos, et que s'il y avait eu le moindre doute, problème, on aurait coupé. Je n'ai même pas envie de me poser la question de l'homophobie tellement ça paraît loin de moi, a expliqué Karine Le Marchand, qui présentera mardi soir Une ambition intime, une autre de ses émissions.